Là, on est à Disneyland pour les finales de la Leaders Cup. C'est comme ça depuis quelques années. Et ça ramène souvent pas mal de monde, c'est une belle fête. C'est mon anniversaire, c'est la finale et on va gagner. Est-ce qu'il y a de l'ambiance à Rouen ? Ouais ! C'était un bon match, on savait que ça serait compliqué, ça l'a pas fait, victoire de Rouen, 6 points, Rouen a tout donné, c'était un match intéressant à suivre jusqu'au bout. Ouais. C'est une vraie fête du basket, il y a deux bons matchs, de belles affiches, il y a une belle ambiance, c'est chouette. C'est la super finale entre Strasbourg et la JL, la Leaders Cup à Paris, tout est magique, parce que pour nous, on pensait pas aller jusqu'au bout comme ça, et c'est génial, je crois, voilà, c'est la cerise sur le gâteau. Que le meilleur gagne entre les deux équipes, parce qu'on s'entend super bien avec notre cop des amis strasbourgeois. C'est la finale. La finale. À fond dans le basket pour les finales. Donc on sent qu'il y a une ambiance de ouf dans la salle. À mon avis, ouais, ça promet. Franchement, les gens sont en feu et ça va être bien cool. Great for the team first, you know, for us to be able to come up and get this win and win this tournament, win this competition. It's big for us. We're going up now and it's a new start for us for the rest of the season. So that's great. I love it. I'm so excited, so proud of us.